On est avec Antoine de Fire at Will et aussi groupe de, du Gers de Skull Soda. Exactement. Et on va parler visuel parce qu'en fait aussi tu as une autre passion. Ah ouais, c'est plus qu'une passion, c'est mon métier, donc ouais, c'est la passion qui a pris le devant. Ouais. Et donc on va présenter un peu les visuels que tu travailles avec le groupe. Ouais, si tu veux, avec plaisir. Ouais. Tu pars de quoi? Je pars de quoi comme idée? Ouais. Bon, alors, en vrai, on va pas se le cacher, moi je suis vraiment dans la recherche permanente de ce qui se fait dans l'air du temps. Ouais. Pour Fire at Will, en tout cas, pour le merch, il n'y a pas de recherche d'originalité extrême, tu vois, pour les visuels. Donc, plutôt une recherche de repères et de codes hardcore ou de merch punk rock, tu vois, un peu dans le sens large du terme, ouais. Pour trouver des thèmes un peu communs, tu vois. Celui-ci est très inspiré old school, tattoo. Ouais, okay. Voilà. Et après, à côté, je vais faire un truc un peu plus illustration. Un peu plus comics. Ouais. On se bride pas du tout là-dessus. Moi, je me considère pas comme un artiste, tu vois, avec un style à proprement parler, quoi. J'essaye de piocher des inspirations et de l'adapter à notre sauce, quoi. Voilà, c'est ma manière de fonctionner. Tu fais des logos aussi, comme ça. Des logos, ouais. Moi, mon boulot, c'est graphiste et illustrateur. Ouais. Donc. Du logo, de la charte graphique, voilà, j'en fais pas mal, donc pour divers horizons, hein, ouais. Y a plusieurs clients. Tu fais d'autres groupes clientèles. Ouais, du merch pour d'autres groupes, j'en fais pas mal, ouais. J'ai des demandes d'un peu partout, à travers le monde, donc c'est hyper cool. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous les gars, à bientôt. Ciao. Ciao.